et que ça viendra juste parce que ces jours-là, la sœur Annie, tu as préparé, il y avait la sauce ne s'est pas bien mélangée, il y avait de l'huile au-dessus. Ça viendra peut-être parce que, bon, mon frère Isaïe, tu ronfles beaucoup. Voyez, et parfois, ce sont des toutes petites choses. Chez nous, on dit qu'un petit feu peut brûler toute une forêt. Et voyez, parfois, des petites difficultés ou de grosses difficultés viendront. Voyez, ces deux maisons-là, l'autre a bâti sur le sable et l'autre maison a été bâtie sur le roc. Voyez, les difficultés ne choisissent pas dans quelle vie je ne viens pas et dans quelle vie non. Chaque être humain qui vit ici sur terre connaît des difficultés d'une manière ou d'une autre. Chaque famille traverse des difficultés d'une manière ou d'une autre. Et chaque couple traverse des difficultés d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, la différence, c'est que si votre maison est construite sur la parole de Dieu, ces difficultés viennent, mais elles ne vont pas vous ébranler, comme dit la parole de Dieu. Vous voyez, ici nous sommes dans ce bâtiment. Quand la pluie tombe, la pluie ne choisit pas, je tombe ici et là-bas, non. La pluie tombe dans toute cette surface et toutes les maisons qui sont ici, la pluie tombe sur elle. Mais maintenant, une maison qui n'est pas bien bâtie, si la pluie est tellement forte, il y a des tempêtes qui soufflent fortement, si la maison n'est pas bien bâtie, cette maison va s'écrouler. La tempête ne va pas dire, non, je viens ici, je saute, non, elle vient, elle traverse tout le quartier. Et aussi, les difficultés, quand elles viennent, elles ne choisissent pas. Mais si seulement notre vie, nous avons décidé de laisser la parole de Dieu nous conseiller, de laisser le Seigneur Jésus-Christ nous diriger par sa parole, alors là seulement, votre foyer peut tenir. Et je voudrais vous dire, nous avons parlé qu'il y a beaucoup de divorces. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont malheureux. Mais il y a aussi beaucoup de couples qui sont heureux. Parce qu'ils ont choisi la parole de Dieu. Et quand vous la choisissez, vous aussi, quand vous êtes venu ici, que vous puissiez permettre à cette parole d'être votre conseiller. Quand il y aura des difficultés, des incompréhensions, prenez cette parole comme arbitre. Est-ce que vous m'entendez? Vous la prenez comme arbitre. Peut-être que vous êtes dans cette salle. Et que vous êtes marié, que votre mariage n'est qu'une façade, mais au-dedans, ce n'est que la destruction. Mais nous avons chanté que dans le royaume de Dieu, les vies brisées sont restaurées. Ça veut dire que vous pouvez recommencer maintenant avec Jésus. Vous pouvez dire seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens m'aider. Jésus-Christ, prends le contrôle de mon cœur. Parce que c'est Jésus, c'est ce qu'il attend. Il est prêt à aider n'importe quelle personne qui peut lui demander de l'aide. Vous pouvez demander à Jésus de l'aide pour votre propre vie et de l'aide pour votre foyer. J'aimerais vous dire, si vous demandez de l'aide à Jésus, vous ne serez pas déçu. J'aimerais vous promettre qu'il ne vous décevra pas. Laissez Jésus, pardon, le Fils de Dieu, entrer dans votre cœur. Dieu est esprit. Le vent, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez sentir le vent. Jésus-Christ aussi, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Mais si seulement vous lui dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux que tu prennes maintenant le contrôle de ma vie. Il va entrer dans ton cœur. Et comme le vent, tu ne peux pas toucher, mais tu sentiras que ta vie va commencer à changer. Il va commencer à changer ta façon de penser. Il va commencer à changer tes réactions. Il va changer totalement ta vie. Parfois, peut-être ton couple ne marche pas. Tu penses que c'est peut-être ton conjoint. Peut-être le problème dans ton couple, ce n'est pas le conjoint. Peut-être c'est toi qui es le problème. Mais si ta vie change, tu verras que le reste peut changer. Mais tout cela, Jésus le fait. Clôt dans la prière. Père, je veux te remercier cet après-midi. Merci, notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons te remercier parce que rien ne peut se faire en dehors de ta parole. Parce que ta parole est Dieu. Et c'est ta parole qui est la clé pour réussir dans la vie. Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu vis au siècle des siècles. Et nous te bénissons. Merci de prendre cette parole
et de la mettre dans le cœur de chaque personne qui l'a écouté, pour que cette parole puisse amener la vie de Dieu, puisse amener le bonheur dans les cœurs. Nous te remercions et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Ensemble, si nous pouvons nous lever, nous allons apporter nos offrandes. Les paniers vont circuler dans les rangs. Si les choristes peuvent monter. Ces lieux pour être des témoins
de l'heureuse occasion de mariage entre le frère Isaïe Kalombo et la sœur Annie Bango Yaongonda. Deux personnes que vous connaissez très bien. Le premier homme et la première femme que Dieu a unis ainsi vivaient dans la joie et l'extase aussi longtemps qu'ils ont marché dans la compagnie de notre Père Céleste, le Dieu vivant. Leurs problèmes ont commencé seulement quand ils ont entrepris de vivre leur vie séparée des dieux. Cela donne mon frère Esaïe et ma sœur Annie à comprendre que tout mariage, pour être prospère, il faut y entrer avec la détermination que chaque nouvelle journée devra être commencée avec la parole de Dieu, la pensée de Dieu, et chaque action sera accomplie avec Dieu. Ceux qui agissent autrement auront des déceptions dans leur vie de couple. Cette alliance pour toute la vie que vous êtes venu accomplir ici est une des majeures étapes de vos vies dans la mesure où vous avez les obligations l'un envers l'autre. À chaque moment de votre vie ici-bas, à partir de ces jours et tous les autres jours à venir, rappelez-vous que vous avez des obligations qui vous lient l'un envers l'autre. Cela donne sur chacun de vous la responsabilité pour dénoncer tout obstacle susceptible de mettre du désordre dans ce mariage, sachant que la loi des dieux ou la loi civile est approuvée seulement par une promesse sincère. À l'issue de cette cérémonie, vous allez vous embarquer sur une vie que vous ne connaissez pas totalement. Vous n'avez aucun moyen de savoir tout ce que cette nouvelle vie à deux offre. Il y aura beaucoup d'heures de bonheur, mais aussi il y aura des heures de tristesse. À partir du moment que vous affrontez une entière nouvelle vie, il y a une nécessité d'être déterminé dans vous-même, chacun de vous, que la tolérance sera de l'essence pour votre bonheur à deux. Beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements doivent être faits dans chacune de vos vies afin que les deux modes de vie différents que vous avez eu jusqu'alors soient fondus dans un seul mode de vie et que tout soit selon la parole de Dieu. Sachez clairement et avec assurance que cette cérémonie à elle seule ne fera pas de vous une seule personne. Mais par contre, cela vient au fur et à mesure que vos vies sont moulées ensemble et que vous décidez chaque jour de céder l'un à l'autre avec dévouement dans la volonté et la détermination d'être associés. Je vous demanderai de vous tenir par la main. Le Saint-Écriture dit que sur le devoir de l'homme, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses et la femme respecte son mari. Maintenant, frère Isaïe Kalombo, voulez-vous prendre cette femme dont vous tenez la main pour être votre femme, vivre avec elle dans le lien sacré de mariage, comme Dieu l'a ordonné? Voulez-vous l'aimer, l'honorer,
la consoler et la garder dans la maladie aussi bien que dans la santé? Voulez-vous abandonner tout autre? Voulez-vous vous garder seulement pour elle seule aussi longtemps que Dieu, que vous deux, vous vivrez? Oui. La main pour être votre mari et pour vivre avec lui dans le lien sacré du mariage, comme Dieu l'a ordonné. Voulez-vous l'aimer, l'honorer et le chérir, abandonnant tout autre? Voulez-vous vous garder pour lui seul aussi longtemps que vous deux vous vivrez? Oui, je le veux. Amen. Les paroles d'engagement. Ces paroles-là qui vous engagent l'un envers l'autre. Donc, je vais demander à mon frère Isaïe. J'aimerais que vous puissiez prononcer ces paroles d'engagement. En ce jour du 19 mai 2012, moi, Isaïe Kalombo, je m'engage devant Dieu, devant son Église, à remplir avec l'aide de Dieu mon rôle d'épouse, d'époux, avec joie et dévouement. Je te serai obéissant, je te respecterai, je m'engage à garder notre lit conjugal exempt de tout souillure. Que Dieu Tout-Puissant m'aide à faire régner notre foyer, dans notre foyer, un climat spirituel par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. À élever les enfants que Dieu nous donnera selon la voie de son Église, de la spiritualité, dans la crainte et le respect de Dieu. Je m'engage en outre à protéger mon foyer et ainsi que toi, mon épouse, contre les attaques provenant de l'extérieur. Je resterai uni à toi dans les bons moments comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Accepte d'être l'épouse d'Isaïe Kalombo et je m'engage devant Dieu et devant son Église à remplir avec l'aide de Dieu mon rôle d'épouse avec joie et dévouement. Je te serai obéissante et soumise. Je te respecterai comme chef de notre famille et te ferai confiance. Je m'engage à garder notre vie conjugale exempte de tout souillure en restant fidèle à toi. Que les dieux tout-puissants m'aident à faire régner dans notre foyer un climat spirituel par la prière et la méditation de la parole de Dieu. À élever les enfants que Dieu nous donnera selon la voie de son Église, dans la crainte et le respect de Dieu. Je m'engage en outre à protéger mon foyer et ainsi que toi, mon mari, contre les attaques provenant de l'extérieur. Je resterai unie à toi dans les bons comme les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Amen. Bravo! Bravo! Bravo!
se tromper sur un engagement. C'est pour cela que j'aimerais qu'il puisse relire son engagement. Merci. Eh bien oui. Et deux des fois, Kim. Eh bien oui. En ce jour du 19 mai 2012, moi, Isaïe Kalombo, je m'engage devant Dieu et devant son Église à te prendre toi, Annie Bambo Yaongonda, comme épouse. J'ai rempli mon rôle de chef de famille conformément aux enseignements et recommandations de la parole de Dieu. J'ai promis de t'aider, de te chérir et de prendre soin de toi chaque jour que Dieu nous accordera. D'être fidèle en préservant notre vie conjugale, de tout suivre, de bâtir notre foyer sur Jésus-Christ, d'élever nos enfants dans la connaissance et la crainte de Dieu. Je m'engage en outre à te protéger contre les attaques provenant de l'extérieur et de l'intérieur. Je promets de rester unis à toi, mon épouse, dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Et ce symbole, c'est l'alliance. Quand nous verrons ce symbole, nous saurons que vous êtes mariés selon le modèle du Nouveau Testament. Mon frère Esaïe, vous pouvez mettre cet anneau au quatrième doigt de la main gauche de notre sœur Annie. Annie, je t'offre cette alliance en signe d'amour, de fidélité, et pour t'honorer devant l'Église et devant toute ta famille. Ma soeur Annie, vous allez aussi prendre cet engagement et le placer au quatrième doigt de la main gauche de mon frère Isaïe. Et il répète après moi, comme gage de mon vœu, comme gage de mon vœu, envers toi, et devant le Seigneur, je place cet anneau, en signe de ma fidélité, et de mon engagement, à te rester unis, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mariage et avait engagé l'un envers l'autre votre foi sacrée en soumettant votre union à la Seigneurie de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, devant Dieu et devant cette assemblée, je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni. Vous porterez donc le fruit de cette bénédiction devant Dieu et devant les hommes. À partir de maintenant, vous avancerez ensemble sur le chemin de la vie. Que le mot amour fasse partie du langage merveilleux de votre foyer. Et que la bénédiction constante du ciel couronne votre union de joie
et la sanctifie de plus en plus chaque jour, qu'elle unisse vos cœurs et votre vie avec toute la grâce et la véritable affection d'un heureux mariage. Amen. Nous allons prier pour le mariage. Ensemble maintenant, nous allons prier pour le mariage. Ensemble, prions le Seigneur et recommandons leur vie entre mains du Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci notre Dieu. Nous présentons ces couples, le couple Kalombo devant toi. Tu es le Dieu de bénédiction. Et dans ta main, dans leur vie, et bénis-les. Notre Dieu, qu'ils soient heureux dans la vie du couple. Que ton esprit soit avec eux pour les diriger, pour les conseiller. Et que ta parole soit le fondement sur lequel ils reposent leur couple. Nous les bénissons. Nous bénissons les enfants qu'ils auront au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que notre sœur Annie soit une mère heureuse dans son foyer. Nous prions au nom de Jésus que notre frère Isaïe soit le papa heureux dans la maison. Qu'il soit un modèle, notre Dieu, dans cette génération, parce que tu es bon. Nous les bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Parents,
Et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez recevoir. Vous allez recevoir des cadeaux, mais ça c'est le meilleur. La parole de Dieu. Parce que c'est celle-là, la parole de Dieu, qui donnera le succès. Alors, je vais le mettre à mon frère Isaïe. Voilà. Donc, nous vous remettons cette Bible et que vous puissiez la lire ensemble, méditer et partager et trouver tous les conseils nécessaires pour une vie heureuse, pour un mariage heureux. Et en même temps, nous vous remettons aussi le certificat de votre mariage religieux parce que nous voulons que le Seigneur vous bénisse encore et que ce jour le 17 mai reste gravé dans vos cœurs. Voilà. Je vous remercie. C'est la semaine prochaine. À manger et à boire dans l'honneur des mariés, comme la cérémonie continuera ce soir à Bruxelles. Tout le monde n'aura pas l'occasion d'aller à Bruxelles, voilà pourquoi les familles ont trouvé quelque chose à manger et à boire. Donc ne partez pas trop vite, on nous attend derrière la salle. Voilà. Un instant, les mariés. Est-ce qu'on peut célébrer encore la prière de notre Père et puis nous allons partir? Merci beaucoup. Tenez votre femme, elle ne sait plus. Voilà. Faut plus l'abandonner. On va prier notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas notre culte demain à 10h. Thank you.
C'était le doux paradis pour l'Asbel Télespi, Solidarité Paradisiaque Internationale.